C'est parti par devant au début et puis c'est revenu par derrière ensuite. On a eu une opportunité, on a pu la saisir et les autres ont été un peu bien malheureux dans leurs options, mais on s'est accroché pour la moindre opportunité. On ne pensait pas qu'elle serait aussi belle, mais on en a profité. C'est pas passé loin, hein. Toute la course a été un rebondissement, hein. C'était très serré avec tout le monde. Le parcours était très ouvert, donc ça permettait effectivement, avec une météo très changeante. Donc il fallait vraiment s'accrocher du début à la fin. Bah, belle régate quoi, c'est vrai qu'on était quand même toujours au contact là, on était en tout cas 4 bateaux à être quasiment tout le temps côte à côte et donc c'était plutôt sympa, plutôt crescendo on pourrait dire aussi parce que c'est vrai qu'on part de 0 nœuds et on finit avec, avec 20-25 nœuds. Super bagarre, on savait que les bateaux étaient très proches en vitesse et ça s'est confirmé sur tout le parcours, il y a eu pas mal de changements au niveau du classement, et puis on pensait avoir fait le plus dur cette nuit en étant juste derrière SVR. Et puis il y a eu un rebondissement, le vent est revenu par derrière, et voilà, on n'avait pas trop le choix de voir les petits camarades repasser devant nous. Ah,